Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire la toile que j'ai en défi des petites croix givrées de la chaîne Lynn Diamond Painting et Point de Croix. Donc, c'est un défi sur 16 semaines. Donc, la première semaine, on avait la 6. La 6, c'était celle-ci. Après, on a eu la 11 qui est celle-ci. Après, on a eu la 10. La 10. La 16 que j'ai pas fini. Après, on a eu la 4. La 16. La 14 qui fait partie. Attendez que je vous dise pas de bêtises. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qui doit faire ça. Ça. Voilà, vous voyez à peu près, ça fait 9 cases, 3, 6, 9, 12 même, ben 12, des moitiés, et il y a 5 jours, elle a donné la case 5 qui est celle-ci, donc je suis un petit peu en retard. Et bon, c'est non stress. J'espère que tout le monde va bien. Préparez-vous un petit café. Moi, j'ai mon cappuccino au chocolat. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, il ne fait pas très chaud. Tout juste 19 dans la maison. Attendez, je vous mets sur pause parce que j'ai fait chauffer de l'eau pour faire une salade de pâtes. Donc me revoilà, je risque de refaire une autre pause quand mes pâtes sont quasi cuites parce que mon fils, vu même les températures qu'il fait, bon le matin il fait un peu frisquette, mais à partir de samedi ils annoncent beaucoup plus froid, ils annoncent du 20-21, gros maximum, là je crois qu'aujourd'hui c'est du 20-23. Donc, je vous avais dit que je vous prendrais sur cette toile-ci. Donc, les nouvelles qu'il y a eu ces derniers jours. J'ai été chez le médecin lundi. Donc, il m'a ausculté. C'est le médecin de mon mari. Et il m'a dit un lumbago. Donc, il m'a donné ce qu'il fallait. Il m'a donné anti-inflammatoire, décontracteur musculaire, cachet pour la douleur. Et j'ai eu la super bonne idée. Luna, tais-toi. J'ai eu la super bonne idée de prendre rendez-vous pour ma pour hier, le coiffeur. Donc j'y étais, mais je ne pouvais plus la journée. J'avais mal. Bon, après, on n'est pas très bien installé. Hein. Donc, ce côté ici. Donc, là, le déménage depuis novembre. Elle va pas loin, elle va juste à côté, mais la boutique est plus grande, elle sera plus grande. Mais c'est du neuf, ils ont fait tout à neuf dans le local. Donc, je ne vais pas vous prendre que avec cette couleur-ci, on va changer après. Il ne fait pas chaud. Hein. Moi le matin, je mets un pull. Et je remets un gros gilet. Ce matin, c'est bien humide chez nous. Et bon, la journée, je ne suis pas en t-shirt. Hein.
que mon mari nous a ramené, c'est quand hier? Non, pas hier. Si, hier matin. Des figues. Oh, il y en a moins 5-6 kilos. Je connais qu'on nous a ramené une caisse. Donc, on en mange. Hier, j'ai fait d'abord 8 œufs. Donc, j'ai fait des patates rôties. Alors, le petit et le grand, ils ont voulu une omelette. Et nous, ben moi, mon mari et Mathéo, on a pris des œufs sur le plat. Bon, moi, j'en ai pris qu'un. Ben, du coup, on mange plus, beaucoup plus tôt. Hein, parce que mon mari part à 7h20. Donc, on mange, excusez-moi pour les du coup, j'essaye de rectifier ces bêtises qu'on a. Ouais. On mange à 18h, donc le premier jour, c'est comme il a changé ses horaires cette semaine. Le premier jour, j'ai mangé, il m'a dit, oh non, ça fait trop tôt. J'ai dit, bah moi, je mange avec papa. Le grand, du coup, il a mangé avec nous. Et les deux petits ont mangé après. Et donc, ils m'ont dit, ouais, mais c'est pas bien qu'on mange tout seul. Comme t'as déjà mangé avec papa. Tristan, pareil. Donc, il m'a dit, bah, du coup, on mange tous ensemble. Ah, bah, je dis, bah, comme vous voulez. Je vais faire comment pas manger trop de fil. Donc c'était ah non, celle-là je l'ai acheté. Celle-là je l'ai acheté chez Prestit. J'ai utilisé mon code promo de 7%. Je t'avais fait un unboxing en deux fois, je crois. Si mes souvenirs sont bons, j'espère que vous voyez toujours bien. Qu'est-ce que je fais? Oui. Je me demandais ce que j'étais en train de faire parce que je prends jamais du côté là. Donc à un moment il faut réfléchir. C'est vrai qu'on a un automatisme quand on travaille, quand on fait les croix. Et là quand je les prends dans l'autre sens, ils sont toujours dans le bon sens. Mais d'habitude je travaille de gauche à droite et là c'est de droite à gauche. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une bêtise. Et on enlève. Attendez. Envers moi. J'ai pas piqué dans le bon sens. Donc c'est comme ça. On voit tout de suite. Et je vous remets. La vidéo risque pas d'être très longue. En plus j'ai mal au dos. J'ai dû emmener le grand au travail ce matin. Si je fais la vidéo tout de suite comme ça, c'est fait. Autrement vous n'avez pas de vidéo pour demain. Je m'étais avancé ce week-end. C'est jeudi qu'on a un match de rugby. Jeudi ou vendredi? Alors, si j'ai bien compris, parce que moi, le rugby, je n'y connais trop rien. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est les quarts de finale. Si je ne dis pas de bêtises. Alors, ceux qui s'y connaissent en rugby, dites-moi en commentaire si vous savez. Si c'est bien ça ou pas. Moi j'écoute juste.
Souvent, je suis à table. Je brode. Donc, mon mari regarde ses matchs. Ou je fais du DP. Ah, d'ailleurs, j'ai quasi fini un DP. Un petit, un 30 sur 40. Que j'avais dans ma réserve. Vous ne l'avez pas vu sur la chaîne. Donc, je vous ferai la revue. Je pense que je l'aurai fini fin de semaine. Hier, mon mari m'a remis du spray. J'ai dit, j'en peux plus, j'ai trop mal. J'étais mal rangée un petit peu l'après-midi, mais je pense que rester assise pendant plus de 2 heures, ça m'a tiré dans le dos. En plus, j'étais mal installée. Après, la coiffeuse, elle m'a demandé, elle savait que j'avais mal, alors elle m'a dit, si vous voulez, vous pouvez aller marcher, sinon, ben, ça va, chez la maison. Ça faisait un an que j'avais pas été chez le coiffeur. Elle m'a dit, la coiffeuse, la patronne. Elle dit, mais non, ça fait parce que je vous ai entendu tout à l'heure dire 6-8 mois. Elle dit, non. Un an. J'ai déjà, ça passe tellement vite. Elle fait, oui, je sais, puis vous n'aimez pas le coiffeur. J'ai, ah, ça, c'est. Je trouve ça que c'est une perte de temps. Non, sa collègue, elle a rigolé. Ma ça, j'ai jamais entendu. Ah ben, je vous l'aurai entendu aujourd'hui. Et comme j'ai beaucoup de cheveux, elle m'a, comme j'ai fait une teinture, elle m'a dit, ah, ça y est, j'ai fait la teinture pour tout le village. On a rigolé. Elle fait, vous en avez. Elle fait, mais vous êtes tous comme ça dans la famille. J'ai dit, oui. Et j'ai dit, c'est sur plusieurs générations. Ah oui. Ah, j'ai oui. On est plus rien. Mère, on a les cheveux épais, on n'est pas content. On a les cheveux fins, on n'est toujours pas content. On est français, on est râleur. Hop. Il y a beaucoup de gris sur cette case-là. Bon, après, elle est grosse, la case. Donc, en principe, je dis bien en principe, il va y avoir 2 partenariats sur la chaîne. En point de croix. Je ne vais pas allumer la lumière. Donc, j'espère que vous allez voir correctement. Et du coup, je ne vous ai même pas zoomé. Je vais tourner dans mes pattes. Ça colle. Je vais vous mettre sur pause. On s'en ferait peut-être une autre couleur après. Mais après, c'est du blanc. Alors, il y a du blanc et l'orange, c'est du 936. Ça va être du bleu, il me semble. On va faire peut-être la partie là avec vous. Donc là, je pense que je vais avancer de mon côté pour finir mon fil. Je fais pas de parking sur cette toile là. J'ai déjà fait sur la petite sirène.
Et c'est vrai que c'est pénible. Je vais préparer la salade de pâtes pour mon fils et mon mari demain, là pour cette nuit. Là, mon fils il a déjà pour aujourd'hui, donc mon mari ça sera pour cette nuit. Et mon fils sera pour demain. Pour changer, je vais leur mettre du thon. Cœur de palmier, maïs, concombre, je perds mon aiguille, hop, je sais pas comment ils font pour manger encore des salades. J'aurais demandé, je voulais pas de chou. Non, 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 c'est bon les salades. Non. Moi, ça fait un moment que j'ai arrêté les salades. Hein. Je vous le dis. Je préfère manger chaud. Hier, j'ai fait. Ah oui, je vous ai dit, patate rôtie. J'ai mon fil qui est coincé. J'ai oublié de le tirer. Donc, on y va. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, on arrive. Hop. Je tire sur le fil. C'est pas sur celui-là. C'est sur celui-là. Voilà. Et on recommence. Touk, 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 touk. Tiens. Je crois que je vais vous mettre sur pause. Je finis mon fil de mon côté et je reviendrai pour une autre couleur avec vous. Et je vais essayer de vous agrandir parce que je peux pas vous agrandir là. Je sais pas pourquoi il veut pas. Il préfère. Ben, mon téléphone, il faut que je l'arrête. Ou je mette sur pause pour vous agrandir, il me semble. Ou que je l'arrête. Alors, je sais plus si je peux le faire en mettant sur pause. Ça, vous allez voir un peu plus. En plus, je sais que vous faites autre chose en m'écoutant. Mais là, apparemment, il y aura à côté le salon de coiffure. Il va avoir une boulangerie. Il y en a déjà une, mais elle est chère. Ils font de la pâtisserie de luxe. Ils font du chocolat, du luxe, des moulures et tout ça. Par contre, ils ne font pas beaucoup de pain sur la boulangerie qu'il y a actuellement. Je le sais parce que mon fils, il a fait son apprentissage là-haut. Après, c'est un budget. Alors, en plus, nous avons eu des augmentations, donc forcément, tout augmente. Hein. Alors, je ne sais pas si samedi, on va arriver à faire des courses, mes pièces sont commandées. Si j'avais eu un problème sur le site, je démêle, je fais des tournicotis là, fais tournicotis, tournicota. Oui, j'avais eu un problème avec le site, avec mon compte, je l'avais validé, il n'avait pas pris.
Donc, celui... non, c'était lundi. J'ai reçu un mail en me disant, vous avez oublié des articles dans votre panier. Alors, je clique dessus, j'ai ben, ça n'a pas été pris. Ok. Donc, j'ai là, je l'ai fait avec PayPal. Alors, il me fait, ah, t'as PayPal. J'ai dit, oui, c'est associé à la carte. C'est comme ça, t'as une garantie supplémentaire. Ok. Et là, je devrais avoir les pièces aujourd'hui. Bon, elle ne sera pas faite aujourd'hui, la voiture. Je pense qu'ils feront ça au week-end, ou peut-être mon mari vendredi. Pas jeudi, parce qu'il finit de nuit. Il rentre, il dort. Après, il fait quoi? Il se lève à midi, il mange et il repart au travail. Il a une réunion. 2 heures. Il rentre. Et le lendemain, il fait télétravail et il ne travaille pas de nuit, le jeudi soir. Bon, je vais refaire le retour. Je n'aime pas quand mes croix sont pas finies. Je vais vous mettre sur pause. Je vais vous montrer comment je rentre mon fil. Alors, je vous avais pas dit, c'est une 14-7-1. Donc, deux bras. Hop. Aïe, aïe, aïe. Pardon. J'espère que je vous ai pas fait peur. Je vais me piquer. Et ce doigt-là, il est fragile en plus. Ma peau est très très sèche sur mon doigt là. Ma peau elle craque. Alors forcément, quand vous avez une aiguille, à chaque fois je me pique dedans. Hier pareil, j'ai fait du 11CT, l'aiguille ping dans le doigt. C'est quand vous avez. Vous piquez tout le temps quand vous avez un doigt fragile. Bon, là, je vais faire peut-être encore une ou deux croix. Bon, je file au maximum. Hop. Voilà, encore un. J'arrêterai mon fil. Hop, allez. Pas beaucoup de fil. Ok. Et on y va. Hop, fini mon point. Je passe en dessous. Je rentre mon fil en dessous des brins et de la trame. Hop. Je vous montre. Je sais pas si vous allez voir grand chose comme c'est blanc et gris. Et là, je coupe mon petit fil qui dépasse à ras. Et c'est fini. Bon, je vous reprends dans 5 minutes. À tout de suite. Donc, me revoilà. Non, est-ce que vous allez voir? Non, faut que je me mette comme ça. Donc, l'orange, où on va faire les petits points. C'est du 5. Alors, comme on n'a pas beaucoup de couleurs sur cette toile, nous en avons que 14. Donc là, c'est les couleurs normales. Et là, c'est mes bouts. Je les mets en face, en fait, comme ça, je sais de quelle couleur c'est. Donc là, il me faut du 5, c'est celui-ci. Est-ce qu'on en a beaucoup? Non. Donc, on va prendre un petit brin. Hop, c'est lequel? C'est celui-ci.
Hop. Voilà, comme ça, pas la peine de mettre sur un autre organisateur. Donc ça, il met pas de son cuit, je les ai mis dans le froid pour que ça refroidisse correctement. Donc, alors excusez-moi, je vais peut-être vous bouger un peu. Voilà. Si je vous avance comme ça, c'est bon. Donc, pour commencer le fil, comme c'est pas une boucle, je vais prendre dans la trame. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Je pense. Donc, je passe en dessous de cette maille-ci. On ne voit pas très bien parce qu'il n'y a pas de lumière en plus. Donc, je tire sur mon fil. Hop. Après, je prends ma toile. Je fais un point d'arrêt au milieu de mon point. Hop. Et c'est parti. Ça, c'est pas facile de faire du point de croix en filmant. Donc, veuillez m'en excuser. Si, attendez, Luna, tu arrêtes. Veuillez m'en excuser. Alors, pour le bruit strident du perroquet, mais je sais pas. Voilà. Donc là, il n'y en a pas beaucoup des points sur ce carré-ci de cette couleur-là. Hop. Luna, gentil. Cela, moi je fais toujours d'abord en principe les confettis. Comme ça, si je tire sur mon fil, si je fais des ponts, c'est pas grave. Ça reprend sur les autres points. On voit pas les fils. Voilà. C'est le dernier point sur ce face. Ici, après on a le triangle rouge tête en bas. Oui, tous mes sabots ont. Alors je passe en dessous de ma trame de mes points. Je vous montre. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ben, j'ai pas chaud. Hein. J'ai pas chaud du tout ce matin. Alors, je ne sais pas vous, mais chez nous, pas chaud du tout, du tout, du tout. Bon, on a encore pas mis le chauffage. Et ce matin, je l'ai cru. Imagine, on n'allume pas encore. On a froid, ben on s'habille. Hein. Alors le 10. Le 10, c'est du bleu. Hop. Il me reste un petit bout. Je fais mon bras, mes deux bras. Hop. Et on fait les triangles rouges. Donc je fais mon point d'arrêt, je passe en dessous de la trame. Tu vas pas me piquer, parce que moi je vais crier dans le téléphone et vous allez faire un bond.
C'est parti. Et je viens de me repiquer. C'est parce que les aiguilles sont fines. Elles rentrent comme du beurre dans la peau. Donc je vais faire les deux petits bouts, les 5, 7 cases avec cette couleur-ci. Excusez-moi si je parle pas beaucoup. Je regarde ce que je fais. Là, du coup, quand mon mari commence beaucoup plus tard, la nuit, bah, il va me chercher le gamin au boulot. Ce matin, galère pour rentrer. La tétine, bah, l'aller, ça allait, mais le retour, j'ai dû m'arrêter deux fois sur la route. Avec les warnings. Il y a eu un boom, je ne sais pas si vous l'avez entendu. J'espère que c'est pas mon fils qui est tombé du lit. Je ne sais pas. Bon, c'est pas mon mari, ça c'est sûr. D'ailleurs, il a bien dormi. Donc les triangles rouges sont faits. Je fais le même système. Je passe en dessous de la trame et en dessous de mes points. Hop. Et voilà. On coupe le fil. Excusez-moi. Donc, on reprend. C'était le 10. Après, nous avons un peu de jaune. Alors, le jaune, c'est du 9. Et le 9, c'est encore du bleu. Hop. Je prends le petit bout. Oula, les fils sont pas droits. Ni d'un côté ni de l'autre. Donc j'égalise pour enfiler mon aiguille. Voilà, et l'autre pareil, regardez, vous êtes où? Ils sont pas droits, donc je le coupe aussi. Ah, bah alors, voilà. Donc celle-ci, vous l'aurez demain. Je posterai pour demain. Ouais, bah, il n'y a que 3 points. Donc on va les faire ensemble. Je refais toujours le même système. Voilà. Je pique au milieu pour faire mon point d'arrêt. Si je vois le trou, ça vaut mieux. Hein. Hop. Alors,
J'ai quasi fini mes 10K studio avec Brigitte. Il me reste encore une couleur, du brun. Puis après, j'ai fini mes 10K. Donc, je les ferai peut-être ou ce soir ou cet après-midi. Aïe. Ah, c'est bien à 14 c'était, mais les aiguilles piquent. Ça pique, ça pique. Voilà. Donc, je rentre mon fil. Mon cappuccino il est plus chaud. Désolée pour le bruit. J'ai claqué sans faire exprès mon ciseau. Une petite couleur avec vous. Est-ce qu'on ferait perle mauve? Mauve clair, c'est du 8. Vous voyez rien du tout, le mauve. Excusez-moi, j'ai bu un coup. Alors, le 8. Le 8, le 8, le 8. On n'en a plus. On en a plus. Si on en a, mais pas de préparé. Donc je prends mon fil. Hop. Je le mets dans l'autre sens. Je mets. Alors je prends déjà un fil. Vous voyez. Je tire sur mon fil. Hop. Je le retends, voilà, et je le remets sur l'autre plaquette de l'autre côté, comme ça je suis sûre, je prends pas n'importe quel fil. Hop, hop, hop. Donc je plie mon fil en deux. Je passe les deux brins dans la dans l'aiguille. Voilà. Et on a dit le mauve. Donc, que va-t-on faire? On va commencer par là. Donc, je pique en haut à droite. Je suis en train de réfléchir. Parce que je le fais automatiquement, mais je le dis rarement. Je pique en bas à gauche. Là, vous avez. Attendez, je tire sur la boucle. Vous avez la boucle. Je passe mon aiguille dedans. Je tire et je repasse. Parce que ça fera un petit nœud. Et le nœud, je le passe en dessous. Et voilà. Et c'est parti. Mon point, il est fait. Ben vous voyez rien du tout. Voilà. Alors dites-moi en commentaire si vous avez besoin que je vous remontre le début de toile en boucle ou l'autre quand vous avez deux brins et que je passe dans zut, que je vous dise pas de bêtises. Dans la trame et que je fais mon point d'arrêt. Je crois que c'est Myriam. Elle a émis sur une de ses vidéos qu'elle ne comprenait pas le système du démarrage. Donc je vais peut-être la notifier sur cette toile-ci.
comme ça. Elle me dira si c'est bon ou pas. Si elle a compris. Après, ma chaîne, hein, c'est une chaîne de partage et d'entraide. Si je peux rendre service, que ce soit aux abonnés ou aux youtubeuses ou youtubeurs, je suis la plus heureuse. Voilà. Après, je repars dans l'autre sens pour faire mes croix, les fermer, quoi. Là, il reste un point. Voilà. Et là, quand je finis comme ça et le prochain point, il est là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Pile poil, parce que moi, je fais pas de pont au-delà de 5. Et comme c'est celui-là, je peux le faire. Après, il y en a qui font pas de pont au-delà de 3, mais moi, je fais 5, 4, 5, ça dépend. Hop. Après le mauve, on en a encore de l'autre côté là. Parce que moi, je coupe pas à chaque fois mon fil, vraiment quand c'est trop long. Oui, mais autrement, il faut faire quand même une économie de fil. Bon, après, j'ai quand même une réserve de fil. Si vraiment il manque un brin, ben, je le prends dans ma réserve. Pas évident cette toile-ci parce que en fait c'est une petite toile, c'est 29/22, donc à part la mettre sur un tambour. Bon, après je vais prendre par là. Bon, après la couleur là, je pense qu'on va arrêter. Ce soir, je fais poulet rôti avec des frites. Quand j'étais chez le docteur lundi, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas dans une vidéo. Je vous le redis au cas où. On va chez le médecin avec mon mari. Et il y a un monsieur qui rentre sans masque. Et sur la porte, c'est marqué masque obligatoire. Alors, pour une simple et bonne raison, que le médecin a eu un cancer. Et donc, il est, avec la chimie et tout ça, il est fragilisé, ce qui est normal. Je comprends tout à fait. Ayant un mari cardiaque, pareil. Donc, je dis au monsieur, excusez-moi, mais le masque est obligatoire. C'est pas vrai, c'est de la connerie. Ok. C'est bien marqué sur la porte que les masques sont obligatoires. Il fait, ben qu'ils viennent. Il fait, je vais le recevoir. Vous fâchez pas, hein. J'ai dit, moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Il me fait, oui, vous inquiétez pas, madame, c'est gentil, merci. Médecin qui arrive prendre un client, une cliente. Alors, je l'entends râler. Marmonne dans sa... Il revient. Il fait, tenez, monsieur, vous mettez un masque. Il fait, non, ce n'est pas obligatoire. Il fait, ben moi je vous dis que si, c'est mon droit d'exiger, j'étais en train de chercher mon mot,
d'exiger que vous mettiez un masque. Alors, il fait pisser, vous n'êtes pas content, monsieur. Voilà, ailleurs. Il fait passer seulement, je pourrais. Il fait bien, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. Le Covid revient. C'est vrai que ça s'était calmé, mais là, ça revient. Donc, c'est masque ou dehors, monsieur. En fait, je comprends tout à fait qu'il fasse ça. Après, il me dit, ouais, j'ai emmené ma femme ce matin au laboratoire. Même au laboratoire, il ne veut plus de masque. C'est votre choix. Il a quand même mis le masque. Hein. Non, mais après, nous, on a été à la pharmacie, on était devant lui. Chez le médecin, donc du coup, on était à la pharmacie. Mon mari a pris son traitement, moi, j'ai pris le mien. On va à la voiture, je le croise, il me fait... Ah ben, on se croise partout, madame. J'ai oui, oui. Donc la couleur là est faite. Je remets sur ma cartonnette. C'est pratique parce qu'il n'y en a plus. Donc, j'ai fait un petit avancement avec vous. 1, 2, 3. J'ai dépassé. Bon, tant pis. Là. Oh zut, vous ne voyez pas. J'ai dépassé ici. Sur ma case. Bon, c'est pas grave. C'est la 15. J'aurai 2-3 points en moins à faire. Bon, c'est pas grave, Aline, elle dit rien. Ça peut arriver. Voilà, voilà. Donc, j'essaye de vous montrer de plus près ma case. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas. Attendez, je vais vous mettre peut-être ça. N'hésitez pas. De mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. De partager la chaîne si le cœur vous en dit. Et je vous dis à demain. Bye bye tout le monde.